Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tutoriel résine et on va voir comment réaliser ces petites sphères à l'aide de la résine Art Pro ainsi que des différents pigments Sahara. Il existe différentes couleurs, donc vous pourrez mixer les couleurs comme vous voulez. Je vous fais cette vidéo donc sur la résine Art Pro. Comme vous le savez, c'est une nouvelle résine que j'ai reçue de chez Résine Pro, qui est une résine de glaçage, une résine beaucoup plus visqueuse que la e-création ou la résine transparente, et elle permet normalement de réaliser donc des résines art. Vous avez vu également sur la chaîne une vidéo où je m'en suis servi comme glaçage sur pâte polymère et sur un pendentif, sur le pendentif Colibri. Je vous mettais les liens des vidéos en barre d'infos si jamais cela vous intéresse. Et puis également, on m'a demandé si on pouvait faire du bijou avec, donc je vais vous montrer le résultat de cette résine avec tout simplement en ayant incorporé à l'intérieur, vous l'avez vu, uniquement les pigments Sahara. Et voilà, je vais vous montrer le résultat et puis le montage du bijou pour vous montrer que vous pouvez faire avec ces petites sphères soit des colliers ou pourquoi pas des boucles d'oreilles. On peut faire plein de choses avec les bijoux en résine. Et que cette résine Art Pro, je la trouve excellente pour faire du bijou. Je vous montrerai ça donc à la fin de la vidéo pour vous montrer un petit peu les résultats. Donc vous avez vu, j'ai fait mon mélange de résine et ensuite je suis venue incorporer les poudres Sahara à l'intérieur, les petits pigments à l'intérieur de la résine Art Pro. Donc je me suis fait trois petits contenants, vous voyez, je fais toujours des petits contenants de résine et je me garde toujours de la résine transparente au cas où, si jamais il m'en manque ou des choses comme ça. Elle pourra toujours me servir si jamais j'en ai en trop, de résine de glaçage pour glacer une pièce en polymère. Voilà, et donc je me fais toujours une petite réserve de résine au cas où, si jamais j'en ai pas assez pour remplir, ce qui va être un petit peu le cas dans les sphères. Mais vous verrez que ça donne aussi également un petit effet de transparence à l'intérieur des sphères. Donc le moule sphère, si vous voulez avoir la référence, je vous mettrai en barre d'infos. C'est un moule que j'ai depuis très longtemps, je l'avais acheté sur Amazon. Je pense que je dois pouvoir retrouver les références. C'est un moule où il y a plusieurs sphères, vous voyez, j'ai fait des découpes parce que bon voilà, je bricole. Et donc là je vais venir réaliser 4 sphères tout simplement en incorporant les résines par-dessus les autres. Alors pour faire différents effets, pour voir ce que ça allait donner. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coulé différents pigments sur le fond des moules à sphères. Et puis vous voyez, je viens déposer la résine comme ça au milieu, donc sur le dessus. Et à chaque fois, je vais venir faire couler une couche de différentes couleurs à l'intérieur des résines. Alors pour cette résine Art Pro, je vous ai dit que bizarrement, elle fait très peu de bulles. Sachez aussi, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, ça fait un moment que je dois vous faire une vidéo là-dessus, mais je vous avoue que j'ai pas trop eu le temps. Donc sachez aussi que pour éviter les bulles, vous pouvez mettre votre résine, mais uniquement la base, pas le catalyseur, parce que ce sont des résines époxy bicomposants, il y a un A et il y a un B. Donc mettre la résine A, généralement vous pouvez la mettre un petit peu à bain-marie. Alors bain-marie, je m'entends. C'est pas vous allez mettre votre godet de résine sur le feu à bain-marie, c'est que vous allez faire couler de l'eau chaude, par exemple du robinet, et vous allez mettre votre base à l'intérieur, ce qui fait que ça va liquéfier un petit peu votre base et ça évitera les bulles par la suite. Donc sachez que pour cette démo, je ne l'ai pas fait, sinon je vous l'aurais montré en vidéo, mais sachez qu'il existe cette astuce. Alors je vous dis, bizarrement, j'ai testé plein de résines de chez Résine Pro. Avec la e-création, j'ai trouvé que dès qu'on incorporait des petits pigments ou des choses comme ça à l'intérieur, j'ai pas testé les pigments Sahara dans la résine e-création, mais je trouvais qu'il y avait une sorte de réaction chimique et que du coup, ça formait des micro-bulles, pas des bulles d'air, mais vous voyez, des micro-bulles, des petits nuages de bulles en réaction. Or là, dans la résine de glaçage Art Pro, je n'ai pas eu ce cas. Donc là, je n'ai pas utilisé les pigments anti-artistiques, vous avez pu voir dans d'autres vidéos. Dans cette vidéo, j'ai uniquement testé les pigments Sahara dans la résine Art Pro. Donc vous avez vu les différentes manipulations, j'ai simplement déposé les pigments les uns sur les autres au centre des moules. Et ensuite j'ai terminé, comme j'avais pas envie de refaire des pigments, en comblant donc le reste de résine avec la résine Art Pro. Donc comme toujours, je bouge un petit peu mes moules pour voir s'il n'y a pas de bulles qui vont remonter à la surface, vous voyez qu'il n'y en a pas. Ensuite, donc, je vais laisser prendre la résine pendant 24 heures. Donc, c'est une résine qui prend assez rapidement, donc toujours à l'abri de la lumière ainsi que de la poussière.
Vous posez un petit couvercle par-dessus, vous posez ça dans un meuble, vous posez ça sur une surface plane, bien évidemment, et vous laissez prendre 24 heures. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai retiré donc, la résine Art Pro. Alors vous voyez qu'elle est très très belle, c'est une très très belle résine qui garde de la brillance. On peut poser les doigts dessus, tout ça, il n'y a rien qui bouge. J'ai trouvé qu'elle était vraiment beaucoup plus belle que la e-création, après c'est mon avis. Et voilà ce que ça a donné donc avec les différents mélanges de couleurs de pigments. Donc vous voyez qu'il y a les pigments qui ont légèrement coulé donc sur le fond normal puisque je les ai déposés sur le fond. Mais également qui sont un peu, ils ont remonté un petit peu sur les parois quand après j'ai rajouté la résine transparente. Et voilà ce que ça donne donc au niveau des effets de ces pigments. J'ai trouvé vraiment que ça faisait des très jolies couleurs. Après on voit une légère transparence sur le dessus de la sphère, mais très légère. On le voit plus sur les couleurs un petit peu plus cuivre, sur les sphères cuivre. Et donc je vais vous montrer pour le montage que j'ai réalisé avec ces sphères. Donc vous voyez au niveau du moule, vous avez comme ceci une petite surface. Qui, c'est pas une sphère complète. Donc avec ce système là, il n'y a pas besoin de ponçage, il n'y a pas besoin de poncer les pièces. Donc j'ai arrêté ma résine juste au niveau du bord du moule. Et ensuite j'ai donc posé dessus ces petits supports qui sont qui servent pour les sphères justement en résine. Ça peut servir aussi pour les perles en polymère. Et vous avez juste à coller donc cette petite calotte sur le dessus de la sphère. Et vous voyez, elle s'adapte parfaitement sur le dessus de la sphère, ce qui fait qu'on ne voit plus du tout de démarcation. Donc il faut bien la placer. Vous allez voir, je vais m'aider du support pour bien les placer, parce que c'est pas évident quand on utilise des sphères. Donc vous voyez, j'utilise mon support. Et je vais donc bien placer les calottes avant que la colle prenne. Donc je les pose et puis je vérifie bien que tous mes petites calottes sont bien collées sur le dessus de mes sphères. Voilà, pour pas qu'on voit la démarcation entre le dessus de la sphère et puis la petite breloque d'attache. Voilà. Et donc voilà ce que ça donne une fois que la colle a prise. Donc j'ai laissé quand même la colle prendre 24 heures. Sachez quand même qu'avec là les températures actuelles, au bout de 6 heures quand même ça se décolle plus. Hein, même enfin 3-4 heures. Soyons francs, mais bon voilà, quand on veut vraiment être tranquille, être sûr que la colle a bien prise avant de réaliser le montage. Moi je me suis laissé 24 heures, c'est vrai que j'avais autre chose à faire en attendant, donc je les ai mises de côté. Et puis je suis passée au montage. Alors vous voyez que dans mes incorporations de pigments, là j'avais quand même fait attention à faire deux sphères à peu près identiques avec les mêmes colorants. Donc du coup voilà ce que ça a donné, il y avait du cuivre, un petit peu de vert et puis beaucoup de bleu. Donc avec ces deux sphères, je vais réaliser une paire de boucles d'oreilles. Donc je vous rappelais aussi dans les vidéos montage, la vidéo que je vous ai faite. Donc regardez un petit peu les supports que vous avez. Alors les boucles d'oreilles, les supports de boucles d'oreilles, il en existe plein, des différents types. Donc voilà, à vous de choisir ce que vous préférez, si vous préférez un montage plus long ou un montage tout simple comme ceci. Sur un support de boucles d'oreilles américaines. Sachez aussi que vous pouvez ajouter des petites perles entre les supports de crochet et puis les sphères. Voilà, vous pouvez agrémenter avec des petites breloques, avec des perles intercalaires. Vous n'êtes pas obligé de faire des boucles d'oreilles toutes simples comme ceci. Et puis pour le montage d'une des sphères, je vais vous montrer. Alors en fait, j'ai regardé un petit peu. Bon, j'avais pas de perles couleur cuivre, mais j'avais des perles dans un petit peu le laiton. Et j'avais aussi également une grosse perle en métal, ça fait un moment que je l'ai, elle traîne, c'est une perle qui me reste de montage bijoux. Donc je me suis dit je vais l'utiliser pour faire le montage. Pour ce montage je vais utiliser une tige à œil. Je vais donc mettre une première perle, donc vous voyez je suis obligée de mettre une petite perle pour pouvoir bloquer la plus grosse perle. Comme elle a un diamètre plus épais au niveau de la tige ça n'aurait pas convenu, donc du coup je le bloque avec deux autres petites perles qui sont beaucoup plus petites. Et puis ensuite je vais venir donc reformer une boucle à l'aide d'une pince à bourron. Donc vous venez former, vous coupez votre tige, vous venez former une boucle pour pouvoir l'ajuster au niveau de la perle du haut. Et ensuite il vous reste plus qu'à passer au montage. Donc je vais utiliser des petits anneaux pour pouvoir les accrocher entre eux. Là j'étais pas obligée de poser un anneau, vous voyez, entre les deux, mais là je pose un anneau comme ça, ça permet d'avoir une hauteur supplémentaire entre les perles et puis le dessus de la sphère.
Et ensuite, je vais venir faire donc la même chose. Je vais rajouter un anneau sur le dessus de la tige. Et ensuite, bon là, je passe la chaîne, mais il va falloir que je ferme ma chaîne. Et aux deux extrémités de la chaîne, sur les dernières mailles, je vais venir poser d'un côté un petit anneau de jonction. Et puis de l'autre côté, un anneau de jonction avec un fermoir mousqueton. Alors comme vous pouvez le voir, on peut réaliser donc des bijoux très faciles, assez rapides. Il suffit tout simplement d'incorporer des pigments dans la résine. Alors pour vous donner mon avis sur la résine Artpro, vous m'avez demandé mon avis sur qu'est-ce que ça allait donner en bijoux. Et bien vous voyez par vous-même, rien de plus simple, juste incorporer les pigments à l'intérieur que j'ai coulé dans des moules, j'ai laissé poser ma résine. Et voilà le résultat. Ensuite vous pouvez faire des montages beaucoup plus compliqués ou des montages très très simples, voilà, pour vous monter ces petites sphères en collier ou en boucle d'oreille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker et puis à me laisser un petit commentaire, me dire si vous avez testé, vous, la résine Artpro en bijoux et ce que vous en pensez. Et puis, on va se retrouver très très vite sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos. Passez de bonnes vacances, je vous dis à bientôt. Ciao !